بي جربة سكوب بي لسهلا مرحبا بكم. احنا اليوم موجودين في احد مجال بجربة، معنا في كمان صليحة مدير مهرجان بوب ان جربة، باش يعطينا تفاصيل والفكرة نتاع البرنامج. عسلامة كمان في موقعنا جربة سكوب. تعطينا فكرة المهرجان هذا، كيفاش كانت الفكرة، كيفاش الهدف نتاعو شنو؟ Aslema, donc la semaine prochaine, les festivités mardi, mercredi, jeudi, avec des grands concerts Fuljerba, des grands concerts pop, rock, electro, house. Ça va se passer sur un site qui est complètement aménagé, décoré, Fulshay, avec des artistes européens, tunisiens, français, allemands. Britannique et tout ça. Donc il y aura beaucoup de concerts pop et jusqu'à 1h du matin. Et après 1h du matin, on va faire des concerts électro. Donc le principe, c'est on vient, on achète un ticket, on peut voir 4 concerts d'un coup. Et à la fin des concerts, on va faire du clubbing, on va pouvoir danser jusqu'au petit matin. J'habite et vis en France et je voulais faire quelque chose dans le grand sud tunisien. Alech parce que c'est pas un endroit où il y a beaucoup de propositions d'offres culturelles, et aussi pourquoi Djerba, parce que c'est une île paradisiaque qui a la possibilité d'accueillir des touristes européens. C'est ouvert sur le monde et c'est la Tunisie qui est ouverte sur le monde grâce à son aéroport international. بالنسبة لبعض الأسماء ممكن باش يجي المهرجان هذايا الأسماء اللي عم تعلي الفنانين اللي دار فيه. Alors les artistes, il y aura Success, Hausa qui vient du Maroc, Success qui vient de France, il y aura Fangs qui vient d'Angleterre, il y aura Collège qui vient de Paris, il y aura Gilbert qui est un DJ House, il y aura Emel Matlouti, il y aura Nawel qui est aussi une artiste tunisienne, il y aura Conan Mokassin qui est un artiste anglais, il y aura le groupe de Manchester qui s'appelle Egyptian Hip Hop qui joue de la pop, c'est génial, il y aura Enmian Rampa, c'est vraiment de la house qui vient de Berlin, c'est vraiment bien, on pourra danser jusqu'au petit matin. On a entendu parler dans les coulisses d'une surprise à la Djerbienne. Ah, la super surprise à la Djerbienne. Je vais vous donner le scoop pour vous et vraiment beaucoup de journalistes pour Djerba Scoop. Voilà, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont posé la question. J'ai dit que c'était une personnalité djerbienne qui était assez appréciée ici en Tunisie et en particulier à Djerba. Son prénom c'est Kais Militi, je le salue. Kais Militi sera parmi nous pour une création voilà, dont il aura le secret. Et ce qui va être très intéressant en fait, c'est que Kais Militi va être réalisateur pour un projet avec que des artistes européens, et ça sera lui le chef qui va créer ce projet qui sera diffusé, une musique spéciale pour le mardi 28 août sur la plage de Sidi Mahrez, sur notre site du festival Pop in Djerba. Les grandes soirées vont être le mardi 27 août, le mercredi 28 août et le jeudi 30 août. À partir de 19h. دونك يعطيك الصحة ميرسي كمال. كيما قال لكم كمال مدير المهرجان فيستيفال جربة بوب دي جربة. المهرجان هذايا للإشارة، المهرجان هذايا هو أول مهرجان في تونس للبوب، هو في جزيرة الأحلام جربة. يعطيك الصحة كمال. يعطيك الصحة. ونتمنى للناس الكل أكيد تجي تواكب المهرجان هذايا، خاصة فما تغطية كبيرة من صحفيين، تقريبا 50 صحفي من مجلات وجرائد كبرى بفرنسا قادمة أساسا لهذا المهرجان. ثم تغطية كبيرة سامي، لكن نظن ما فماش انكوراجمون دو لابار دو مينيستير دو توريزم دو لا كولتور. Le ministère de la Culture nous a pas vraiment soutenu. On a les autorisations légales pour travailler avec le ministère de la Culture. Inch'Allah, l'année prochaine, on aura le soutien. Déjà, on est en train de faire un festival qui est pour nous, les Tunisiens. Faisons qu'il existe, faisons qu'il vive. On est très contents parce qu'on est médiatisé des deux côtés de la rive de la Méditerranée. C'est à nous de faire que ça réussisse. Et voilà. ميساج لكل المشاهدين باش يجوا للفستيفال نتاعكم. Vous êtes les bienvenus, c'est votre festival. Merci.